Aussi bien quand Béazin disait que le monde tient de faire des désirs, Béazin voulait parler de quoi? Il voulait parler de l'épouse de Maria. Il voulait parler de l'épouse de Maria. Que la tête désire. Et ne pas parler de quoi, ne pas parler de quoi, ne pas parler de l'épouse de Maria. La tête est visible par l'épouse de Dieu. Mais la tête désire l'épouse de Maria. C'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est le seul œuvre que la tête désire. De quoi est l'épouse de Maria? L'œuvre que la tête désire, le seul œuvre que la tête désire, de quoi c'est l'œuvre de Maria? Vous savez que le Maria, il prend les œufs. Et ces œufs-là, il enterre. Il enterre ses œufs. C'est comme ça. Parce que l'œuf en fait, c'est un noyau. Et le noyau, c'est quoi? Le noyau, c'est la désobéissance. C'est la voie écrasée. C'est ça le noyau. C'est un C. On copie la voie écrasée, le noyau, on copie ça à la terre. Parce que la terre détient quoi? Une chicote. La terre chicote très bien. Il récupère quoi? La terre récupère les têtes, les récalcitrants. C'est pour emporter le noyau. C'est comme ça. Elle est chicote, ils acceptent quoi? Ils acceptent quoi? Il n'est Dieu que Dieu. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la tombe, dans la gêne, la tombe. Mais voilà, on les chicote complètement. On les chicote sérieusement. Parce que ça veut dire quoi? Le corps ne meurt pas. C'est le méchant qui meurt. Parce que c'est le péché qui tue. Et comme ça. On les chicote complètement au tombeau. On les chicote complètement jusqu'à ce qu'ils acceptent quoi? Qui n'est que Dieu. C'est quoi? On parle de purgatoire. Purgatoire, c'est quoi? C'est le tombeau. Pur comme quoi? Purification. Gatoire comme quoi? Obligatoire. Pour qu'il se purifie. On se purifie avant qu'il ne. Avant qu'on. Si tel est le cas, alors on le fait revenir sur la terre. C'est comme ça. Le noyau, c'est quoi? C'est un noyau. C'est la voie écrasée. Et on confie ça à la terre. C'est comme ça. Et qu'est-ce que le noyau? Est-ce que cette voie écrasée là, comme je vous l'ai dit, c'est quoi? C'est un petit rappel. Le chien qui monte la garde. Le chien qui est à la maison, qui a la maison qui monte la garde.